wishes. Alors, que allez-vous faire ce, pour cela? Portez attention. Portez une attention spéciale à cela. Faites votre propre programme pour vous-même. De manière à garder votre esprit occupé tout au long de la journée. Tout au long de la journée, gardez votre esprit occupé. Faites votre propre programme. Préparez votre propre horaire pour garder votre esprit occupé. Les enfants, je suis toujours avec vous. Bhakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Om Shanti. Transformation of old samskaras. La transformation. Transformation des vieux sanskars et transformation de la vieille nature. To take a Brahmin birth means to time of remembrance. Just as those Brahmins have one or another sign in their life. La nature de la vie brahmine est de rester dans le souvenir, prendre une naissance brahmine. Signifie nouer le lien du souvenir. Tout comme ces brahmanes ont un signe distinctif ou un autre dans leur vie, le signe distinctif de cette vie brahmine est le souvenir. Rester dans le souvenir devrait être naturel. C'est pourquoi vous ne devriez pas dire que d'un côté vous avez du souvenir et que de l'autre vous faites du service, que les deux sont séparés. Non, les deux devraient être combinés. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi qui parle. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 26, c'est la transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est le signe de cette vie brahmine et le souvenir. Alors, d'abord, et ensuite, ce sera Ken. Bonsoir à chacun. Ce matin, je suis à Gyan Sarovar. Hier soir, nous avons passé la soirée avec les Nevasis de Banda Bhavan. Être à ces endroits me rappelle l'enfance, surtout quand je suis à Banda Bhavan, les souvenirs de Brahma Baba, ses activités, passer du temps avec lui dans sa chambre, Dadi Prakashmani était assise dans la cour, en train de dire bon, nous disait bonjour et faisait qu'elle nous demandait de s'asseoir dans le soleil avec elle.
Et elle disait bonjour à tout le monde le matin. She had a very good timetable. Elle avait un très bon horaire, bel emploi du temps. Le matin, elle était très ponctuelle. Elle sortait, venait, elle sortait lire le Murli. Et avant cela, elle faisait un tour à la cuisine dans la bandara de papa. Et ils avaient presque terminé de préparer le petit déjeuner. Ceux qui avaient à cuisiner étaient aussi très ponctuels. Ils cuisinaient, nettoyaient la cuisine et ensuite sortaient prendre une marche ou allaient au Murli. C'était très beau d'aller se promener avec elle et ensuite elle allait lire le Murli. Elle était très vivante et très divertissante. Ce sont des beaux souvenirs de Mohini. La chambre de papa, la tour de la paix. So, it was a very good meeting, and then c'était une très belle rencontre. Et après Pandavan, nous sommes rendus à Gyansarovar. C'est assez plutôt froid à Gyansarovar. On ne se souvenait pas que ça venait si froid à Gyansarovar. Mais ça va, dit-elle. Vous savez que les doubles étrangers, le troisième, je pense que c'est le quatrième, premier 450, deuxième 200, c'est encore 200 pour ce groupe-ci. Quand les âmes peuvent venir et qu'elles ont des billets, elles viennent. Should come, even tickets are expensive, but they won't be cheaper. Je pense que c'est sûr que c'est cher, mais je ne pense pas que les prix viennent plus chers. Les billets de chacun ont été presque le double à partir de New York. So Baba is saying that one of the main quality. Baba dit que l'une des premières qualités d'une âme brahmine doit être le souvenir. Mais ce que Baba disait, en fait, marater, contempler, réfléchir toute la journée. Et le barattage doit mener à la concentration. Et la concentration aide au souvenir. Je me souviens quand j'ai quitté au début des années 70 pour les pays étrangers, Didi Manmohini a donné une très belle bénédiction. Elle a dit, Manan Chintan, c'est-à-dire la contemplation, Aman Manabhav, c'est-à-dire le souvenir. Donc, ce n'est pas simplement la concentration, mais c'est que l'esprit doit être stable et stable dans le souvenir de Baba. Parce que c'est pour cela qu'on fait la contemplation. Plus on barate, on va au-delà. On se détache et on sent que Baba nous attire vers lui. Et on se connecte à Baba et on est dans le souvenir de Baba. En fait, le souvenir devrait être si naturel pour les brahmines, aussi naturel que la respiration, quand l'âme est dans le corps.
comme l'âme ne peut pas rester dans le corps sans que le corps ne se... Où est-ce quand l'âme est dans le corps que le corps respire? Les deux sont connectés, bien sûr. S'ils sont séparés, le corps ne peut pas respirer, l'âme non plus. Le corps peut respirer que lorsque l'âme est dans le corps. Et c'est la même chose pour le souvenir, dit Mohini. Baba dit, créer un horaire, choisir des méthodes distinctes, différentes. Nous avons eu des invités et ils partageaient avec nous qu'ils ne méditaient pas. Mais ce que je vais faire à partir de maintenant, avant de commencer toute action, je vais me souvenir de Baba ou je vais méditer quelques instants. Et je pensais que c'était un très bon début, dit Mohini. Alors, c'est la même chose pour nous tous. C'est ce que nous devrions faire. Un jour, Dadi Gulzar a donné une très belle tâche. 11 fois par jour, vous donnez quelque chose à votre corps. À 3h30, vous vous éveillez. Certains boivent de l'eau, soit boivent du thé, certains boivent du café, de l'eau, quelque chose, un liquide. Et ça continue. À presque toutes les heures, toutes les 2 heures, on prend quelque chose à boire. On prend une collation. Donc, on donne au corps. Mais en même temps, on donne à l'âme aussi. Vous tenez un verre d'eau. Rappelez-vous de Baba plutôt que de commencer tout de suite à boire. Si vous avez de la nourriture devant vous, avant de nourrir, purifiez la nourriture en faisant un drishti à la nourriture et ensuite on le donne au corps. Ici, on peut créer cette habitude aussi. Une autre chose que l'on peut faire durant toute la journée, avoir des relations différentes avec le Père. On commence par les parents, ensuite c'est le professeur, ensuite le Sadhguru, le guide. Ensuite le patron, je fais ce que notre ami. La relation que vous voulez, c'est très bien aussi, c'est une belle pratique. Mais aussi, vous pouvez utiliser les titres de Baba, les tâches de Baba. Baba le libérateur, Baba le purificateur. Comme ça, les différents titres et les pratiquer. Où on peut utiliser les pouvoirs de Baba. Donc, ce n'est pas toujours, je pense à Baba en tant que point de lumière, mais je pense à Baba plus à l'âge de confluence, donc dans l'action et qui est en relation avec nous. Parce que nous sommes les aides de Baba. Donc, de cette manière, on se rend compte que le souvenir devient essentiel et ça doit devenir naturel, pas être obligé de faire des efforts pour se souvenir. Brahma Baba disait, avez-vous à faire des efforts pour vous souvenir de votre père physique? Avez-vous besoin de faire des efforts pour vous rappeler de votre professeur physique? Naturellement, un enfant revient à la maison et dit, aujourd'hui, mon professeur m'a dit
ceci, m'a dit cela. Donc, on demande à Dadi, c'est la même chose pour le souvenir? Et il a répondu, bien sûr, c'est la même chose. Mais ce n'est pas le yoga quand on s'assoit et qu'on se concentre. Mais si on pense à Baba, dans n'importe quelle relation, pour n'importe quelle acquisition, ou même dans les enseignements, ça fait partie du souvenir. Les qualités des brahmines, le signe des qualités brahmines, c'est d'avoir le souvenir de Baba constamment. Om Shanti. Thank you.
Shanti, everyone. Om Shanti. Om Shanti. Transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. Le signe de cette vie brahmine est le souvenir. La nature de la vie brahmine est de rester dans le souvenir. Prendre une essence brahmine signifie nouer le lien du souvenir. Tout comme ces brahmanes ont un signe distinctif ou un autre dans leur vie, le signe distinctif de cette vie brahmine est le souvenir. Rester dans le souvenir devrait être naturel. C'est pourquoi vous ne devriez pas dire que d'un côté, vous avez du souvenir et que de l'autre, vous faites du service, que les deux sont séparés. Non. Les deux devraient être combinés. Om Shanti. Alors, ensuite. Alors, voici la rubrique avec Ken. Vivre et servir avec la famille Brahmin, mon frère Ken. Merci, très cher Bhumi. On écoute Didi et on était transformés à Pandav Bhavan et Gyan Sarovar, surtout au moment où il y avait Dadi Prakashmani. J'ai tellement de beaux souvenirs. Elle était tout à fait dans l'équilibre entre le souvenir et le service. Et les premières fois, quand je suis allée Pandavavan, Brahma Baba avait quitté le corps quelques années auparavant et tout était très semblable à ce que lorsque Brahma Baba était vivant, parce que sa chambre, c'était sa chambre. Un peu plus tard, ils ont abattu deux murs pour créer la nouvelle chambre de Baba. Avant, c'était le département des fruits de fond. L'arrière de la chambre de Baba, avant, c'était le département des fruits. Alors, on disait, alors, si on a l'occasion, ça vaut la peine d'y aller parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir une autre occasion d'y aller. Donc, ça vaut la peine d'aller. Lier la contemplation, le barattage au sujet de la connaissance et de le lier à développer un programme personnel pour que l'on puisse travailler sur notre devoir et avoir une contemplation naturelle du souvenir et du service. Alors, je t'ai dit hier qu'on continuera à parler un peu du pardon. Alors, par exemple, pardonner une situation, pardonner quelqu'un, et on doit utiliser la contemplation. Baba est mon père, mais Baba est le père de tout le monde. Baba est le père de tout. Il a de l'amour illimité pour tous. Et le pardon, c'est lié à faire du ménage avec mon passé, avec des autres, avec des situations, mais aussi ça nettoie aussi pour le futur, pour que l'on puisse se libérer, pour qu'on puisse devenir libre de toutes sortes de choses. Il y a eu des relations qui ont créé de l'amertume, de la confusion. C'est comme si on était retenu dans un genre de prison, de déception. Et quand Dadi Janki fêtait ses 90 ans à Oxford,
Elle a fait venir toutes sortes de gens à travers le monde. Et dans cette rencontre, elle ne voulait pas célébrer sa fête. Elle voulait faire une conversation qui venait à des tables rondes, et on partageait ensemble, et on trouvait des questions. Elle adorait les questions. Et à ma table, il y avait quelqu'un qui avait posé cette question. Daddy, comment puis-je servir quelqu'un qui m'a trahi? Et elle disait que c'était son mari qui était un peu volage et qui elle se sentait très trahie. Et elle a dit, Daddy Junkie a répondu, qui a trahi qui? Parce que se sentir trahi par quelqu'un, on doit s'être trahi soi-même. D'abord, on l'a fait pour soi, d'une certaine manière. Elle a posé comme question, pourquoi est-ce que tu avais des attentes envers lui? Qui t'a dit d'avoir des attentes envers cet homme? Et on peut facilement s'identifier des faiblesses dans nos sanskars, dans nos vieux sanskars, quand l'intellect lui-même a des filtres, et parfois on ne peut pas voir la réalité, on ne peut pas voir la vérité, et cela devient très difficile. Et il y a une belle métaphore qui est utilisée, le manque de pardon. C'est un crochet. Quand on a un crochet, quand on a un hameçon, c'est pas un exemple végétarien, mais c'est un hameçon. Il attrape le poisson, mais le poisson ne peut pas se défaire de cet hameçon. Donc, en tirant, il est encore plus pris. Donc, c'est quelqu'un. Si je ne peux pas pardonner, c'est chronique, je me mets sur. Je suis comme dans cet hameçon, et plus je continue et que je dise des choses liées à ces personnes, on est en train de placer la personne sur le même hameçon. Alors, il y a d'abord moi sur cet hameçon et ensuite l'autre. Si soi ou l'autre âme pense ou dit quelque chose ou fait quelque chose qui fait en sorte que c'est encore plus, il y a plus de tension, l'hameçon bouge. Et c'est comme si d'une façon subtile, je pense, j'ai des pensées négatives envers chacun. C'est comme si je fais ça difficile pour moi de changer. Je rends ça difficile pour l'autre de changer aussi. Donc, on n'a pas à justifier si la personne a fait quelque chose de mal, mais pourquoi est-ce que je dois continuer à prendre de la peine de cette situation? Parce que lorsque j'y pense, je pense à cette situation qui me cause cette peine, je m'affecte moi-même. Et indirectement, j'affecte l'autre personne indirectement. Et on s'affecte l'un et l'autre. Donc, de la même manière que je peux envoyer des bons souhaits à distance, des pensées négatives envers quelqu'un peuvent aussi se fonctionner à distance. Deux choses se passent. D'abord, pour moi d'être libre et sans fardeau. Et deuxièmement, d'aider l'autre personne. J'aimerais aider l'autre personne. Parce que Baba dit, parfois, on fait des choses sous l'emprise de quelque chose de négatif. Si je pardonne quelqu'un, ça ne veut pas dire que j'excuse cette action.
mais je m'arrête, on arrête d'échanger la souffrance ou de la peine, de prendre la peine et de donner la peine. Et le mot pardon suggère le mot donner. On a quelque chose à donner pour que l'autre devienne libre. Et pour soi aussi, on doit se donner cette espèce de... On doit aussi se libérer de toutes ces pensées qui tournent en boucle dans notre esprit. Donc, ça tourne en boucle et on essaie de contrôler quelqu'un, même par notre pensée. On dit, Baba dit, faites le don de la vie aux autres êtres humains, comme le Père le fait. Donc, donnez-leur. Alors, si on pense à quelque chose d'un peu plus grand, comme pour inclure le présent, le passé et le futur, si on regarde tout d'un point de vue spirituel, je peux voir que c'est bon de pardon. On est tous les deux âmes sont mal prises dans le compte karmique. Les comptes karmiques de chacun, Baba nous dit, il y a le positif, le négatif et le neutre, donc c'est les actions. Pourquoi est-ce que je resterais coincée dans les actions négatives qui affectent l'âme et qui affectent les autres âmes? Donc, je piège la personne et en même temps, je reste pris aussi dans ce piège. Donc, faisons en sorte de voir l'autre âme comme une âme, l'autre être humain comme une âme. Et que c'est un être paisible. Et envoyons-leur ses bons souhaits. Et enlevons ce fardeau de ne pas pouvoir pardonner parce que ça stoppe notre programme spirituel. Et c'est laisser aller, lâcher prise et faire en sorte que Baba puisse faire ce qu'il doit faire. Alors, quand j'ai vu cette femme en face de Daddy Janki, elle voyait que cet autre être l'avait trahi. D'abord, on doit se donner à soi-même et ne pas avoir cette attente et arrêter de recréer cette scène ou cette situation, arrêter d'avoir ces pensées dans notre esprit et qui simplement pour affirmer comment on est juste et que l'autre personne ne l'est pas. Donc, on doit tout laisser aller à Baba. On doit l'abandonner. Et aujourd'hui, c'est une journée de grande réflexion profonde. Et ce genre de karma, on doit terminer cela et aller jusqu'au bout de l'âge de confluence avec tout ça. On n'aura jamais de paix avec cela. On doit le donner à Baba, on doit l'abandonner à Baba, faire se pardonner à soi et pardonner aux autres et avoir une conversation de cœur à cœur, honnête et propre avec Baba pour nettoyer ce compte karmique. Et surtout, je n'ai aucune pensée négative envers qui que ce soit, simplement de bonnes pensées. Et je peux voler au-delà de tout. Donc, avec ces pensées, ayons un peu de méditation maintenant. The sign of this Brahmin life is remembering.
Le signe de la vie brahmine est de rester dans le souvenir. La nature de la vie brahmine est de rester dans le souvenir. To take a Brahmin birth. Prendre une naissance brahmine signifie nouer le lien du souvenir. Just as those Brahmins. Tout comme ces Brahmanes ont un signe distinctif ou un autre dans leur vie, le signe distinctif de cette vie brahmine est le souvenir. It should be natural. Rester dans le souvenir devrait être naturel. This is why. C'est pourquoi vous ne devriez pas dire que d'un côté vous avez du souvenir et que de l'autre vous faites du service. Que les deux sont séparés, non. Les deux devraient être combinés. Purani nature was sanskaron ka parivartan. ब्राह्मण जीवन के निशानी याद ब्राह्मण जीवन की नेचर है याद में रहना ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई न कोई निशानी रखते हैं तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद याद में रहना नेचुरल हो इसलिए याद अलग की सेवा अलग की नहीं दोनों इकट्ठे हो ओम शांति Shanti.